Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Final Fantasy X. Donc normalement je devrais avoir une heure de tournage possible, mais on va faire une petite demi-heure. Voilà. Donc du coup c'est parti. On va continuer où on s'en est arrêté. D'ailleurs je tenais à m'excuser pour la dernière fois car j'ai eu des petits soucis de son. Et j'ai eu un moment une coupure avant que j'aille à la sauvegarde et que je vous disais de vous abonner à ma chaîne, à partager, si vous avez aimé, de liker, tout ça. Donc voilà, je tenais à m'en excuser et voilà, j'ai tout expliqué de toute façon en description de la vidéo en question. Hop. Oui, là, hop, charge est partie. Voilà, on s'en était arrêté, enfin au moment où j'ai voulu enregistrer juste le moment de la cinématique et qu'en fait ça avait pas trop marché. Voilà, ça ne s'était pas fait donc. Voilà, on a perdu notre patrie. Cette musique, elle est tellement mythique pour ma part. Donc du coup, je reviens où j'en étais. Donc du coup, on a perdu notre patte. On a quitté Zanarkand à l'intérieur de Sin. Voilà. Hein. Et en fait, on a perdu du coup Aaron. On a perdu Auron qui est lui, je sais pas où.
made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Ah, c'est parti. Donc excusez-moi, je suis aussi également en train de manger. Bon, je tourne, je fais des trucs totalement improbables. En même temps, je fais des tests de son parce que je trouve qu'il y a toujours un écho quand je finis de tourner. Du coup, Zanarkand qui a été attaqué par Sin, a été aspiré par Sin, et du coup, on se retrouve dans un lieu perdu tout seul. N'empêche, j'aimerais bien imaginer un joueur du grenier faire un let's play narratif sur ce genre de jeu. Ce serait vraiment marrant. Je vois bien jouer le rôle de Tidus. Oh, j'ai fait. Je dois faire du feu, hein! Mais non, c'est mieux pour les joueurs de jeux de gestion de survie. Il est très bien pour ça. Pensez à regarder ces vidéos, elles sont super cool. I need food. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who? Me? You cried. Wait! Don't go out on me! Just hold on. I'll get more wood. Ah!
me a break! Donc là, comme on a vu dans la cinématique, Ron, apparemment, ça fait un bon moment qu'il est sur Xanarkand avec Tidus. Pardon. Et donc, du coup, il lui explique que ça fait 10 ans que son père est disparu, que en fait, en gros, Tidus est un gros pleurnichard. Voilà, c'est ce qu'on lui a fait comprendre. Et il y avait encore cet enfant qui est très important pour la suite du jeu, mais vraiment bien loin, loin, loin. Mais pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Hein. Notre personnage ne sait pas du tout qui c'est. Certains objets comme les grenades ne peuvent être utilisés que pendant les combats. Il faut pour cela sélectionner compétences utilisées dans le menu des techniques. Donc on va dans technique, utiliser, grenade, en vise l'ennemi. Et Gabour! Alors nous avons été rejoints par des gens un peu bizarres, habillés pas comme nous. On sait pas qui c'est, elle a une drôle de posture d'ailleurs. Et apparemment, elle utilise des montagnes. Aïe. Donc là, je vais vous montrer comment même on utilise un objet. Donc là, on va dans objet, potion. On sélectionne Tidus. Et on le soigne. That was close. Hey, let me go! Fredek Drek! Ifin, Irisa, Tekiaka! Bok, Edeku! Parkemed? Fed! Trivedek Risa! Kralnia, Drakisha Tain! Ifun Petit! Ça vous n'est que de Frédéric. Kuno. Kid, it's Dijon.
Hey, that hurts! Musujek, Rain! Whoa! Okay. Kainis! Right, whatever. Tui hood kabeg? I said I don't understand. Akumala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Oh, pauvre Tidus, décidément. Ouais, vous allez me dire, Aesan sauvegarde à chaque fois, mais c'est comme ça. Honnêtement, j'ai jamais pu réussir à finir ce jeu, donc je préfère sauvegarder à chaque fois, comme ça je suis sûr de ne pas me perdre. Puis même si jamais ça venait à couper parce qu'il y a eu un bug, bah au moins je suis sûr de ne pas bouger d'où j'étais. Ah, là il y a quelque chose, je peux pas l'avoir. Ok, bon. C'est pas pour tout de suite. Oh, almost forgot! Enfin, l'utilisation du sphérié. Eh ben, t'es temps. Alors, un curseur vient se placer automatiquement sur le personnage que vous avez sélectionné. Utilisez les flèches pour déplacer ce curseur. La fenêtre en haut de l'écran indique l'effet différent de chaque case. Pardon. Celle-ci, par exemple, augmente la constitution. Celle-ci permet d'apprendre une compétence. On appelle ces cases des sphères d'évolution. C'est en activant ces cases que votre personnage évolue. Il faut être proche d'une des cases pour pouvoir l'activer. Il va donc falloir déplacer vos personnages. Pour ce faire, appuyez sur X. Sélection déplacer. Les cases sont accessibles et se mettent alors à briller. E, niveau d'évolution, représente le nombre de cases qu'il peut parcourir. 1, 2, 3, 4, d'accord. Niveau E d'un personnage augmente grâce au PC point de compétence qu'il gagne en participant au combat. Un personnage qui ne participe pas au combat ne gagne pas de PC et son niveau E n'augmente pas, donc il ne peut pas se déplacer sur le sphérié pour activer les sphères d'évolution. Si ici le niveau E de Tidus est 4, il peut donc se déplacer de 4 cases. Attention! Déplacer un personnage trop loin sans activer les cases au cours de risque de retarder son évolution. Déplaçons Tidus une case pour lui apprendre la compétence encouragée. Inutile d'aller jusqu'à la sphère d'évolution, il suffit d'être à côté pour l'activer. Pardon. Dès que vous sélectionnez la destination, le personnage s'y rend et son niveau diminue en conséquence. Une fois le déplacement effectué, il vous est demandé de confirmer votre choix. Pour ce faire, sélectionnez oui. Laissez le déplacement alors validé ne vous permet plus de revenir sur votre décision. Une fois le déplacement validé, vous devez à nouveau dépenser des niveaux E si vous désirez revenir sur vos pas pour activer une case. Avec un niveau E, vous pouvez parcourir jusqu'à 4 cases. Déjà traversé, mais vous ne dépensez pas vos niveaux E à faire des va-et-vient inutiles. Réfléchissez bien avant de vous déplacer. Maintenant, vous déplacer. Voyons comment activer une sphère d'évolution 2. Pour activer une sphère d'évolution, vous devez vous placer sur des sphères spécifiques. Ce sont des objets que vous pouvez trouver en emportant des combats ou en ouvrant des coffres par exemple. Vous en utilisez une, appuyez sur sélectionnez utiliser. Une liste de sphères apparaît. Chaque sphère a sa particularité. Une sphère physique permet d'activer une case force, constitution ou HP. Ça m'intéresse. Une sphère permet d'activer une case compétence. Vous pouvez activer que lorsque la case à laquelle se trouve le personnage et les cases. Ils sont intéressantes, pardon, excusez-moi.
Depuis cette case, vous pouvez activer la case compétence et vous pouvez utiliser donc une sphère compétence. Quand vous avez, vous sélectionnez une sphère, ouais, j'arrive à le dire. Le casque qu'elle permet d'activer se met à briller. Comme ici, il s'agit d'une sphère compée, la seule case compétence se met à briller. Il ne reste plus qu'à sélectionner la case. Pour que le personnage apprenne la compétence, cela vous coûtera une sphère compée. Il va en falloir de même pour augmenter les caractéristiques comme la force, la magie ou les HP et MP maximum. Il suffit d'utiliser la sphère correspondante à la caractéristique que vous souhaitez augmenter. De plus, chaque sphère peut être activée indépendamment par chaque personnage. Il est donc possible d'activer pour son propre compte une case déjà acquise par un ou plusieurs personnages. Il existe également des lignes de sphères que vous pouvez pas franchir. Pour l'instant, des explications vous concernant vous seront données au moment venu. Maintenant, quelques fonctions. Pardon, vous pouvez examiner l'état du personnage et sélectionner en appuyant sur. Okay. Bon, ça, c'est en appuyant sur triangle. C'est à vous de cette fonction pour réfléchir à la façon dont vous voulez faire évoluer votre perso. En appuyant sur 1, 1 et R1. Vous pouvez sélectionner un autre personnage et le déplacer dans le tuyau. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour comparer l'état de différents personnages. Il est également possible de faire zoom et dézoom en appuyant. Du coup. Ouh, vous voyez le sphère comme il est énorme. Ok. Voilà pour les validations du tuyau. Il ne reste plus qu'à mettre en pratique en faisant plus de tirs. Donc pour aller au sphérier du coup. Ah, voilà. On appuie sur triangle, on fait sphérier Tidus. Du coup, déplacer, hop. On fait maintenant utiliser sphère compé. Voilà. Voilà, donc. Tac, alors on retourne. On retourne voir. We found some ancient ruins right beneath us. It's not active now. But there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Mm-hmm. Okay, let's get to work. Roger. Il se la pète un peu au début, hein. Ce qu'il découvre. Pas oublier que Tidus découvre ce nouveau monde, donc il ne sait pas du tout quel comportement adopter vis-à-vis de ces nouvelles rencontres. Bon, bien sûr, ça va changer au fur et à mesure du jeu. Là, on débute tout juste. On est qu'au deuxième épisode. Oh, des petits monstres attaqués! Allez, à la pêche! C'est bien un truc qui va être assez agaçant. Ça va être tous les combats toutes les 5 minutes. Ouais, donc du coup, elle monte sur le terrain, ça a l'air pas trop mal.
se fait attaquer par des piranhas. Allez hop, ça, on va laisser peser. On va aller chez le poissonnier. Ouais, je te connais pas, mais je sais déjà ton nom. Waouh, c'est quoi ça? C'est un poulpe géant. Ouais, un calamar tout dégueulasse, tu veux dire.
une sorte de vaisseau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire. On dirait un bateau. Un bateau qui serait échoué. Va foutre, Herschel! Trabanoukt, Fananeka! Ouf, trouf, conservie! Oui, Wichita! Hey! Hey, I helped out, didn't I? Rancunier. Oh, hungry. Whoa, right on. You eat too fast. Hey. Hello there. What is your name? Riku. Whoa! You really do understand. Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Albed. Can't you tell? Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way!
Et pourtant c'est le cas. Mais là il y a un livre de Manuel Albed là. Oui, parce qu'on en trouve un peu partout. Voilà, on vient d'apprendre que ça fait, on est parti en fait 1000 ans dans le futur. You said you play blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Ah. Huh. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Uh-uh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh. And one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. My Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place, that I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Quelle idée de courir sur le pont, sérieux. Chine! Chine, pousse! Titanic! Titanic! Qui est intervenu tout simplement parce que c'est pas là où Titus aurait dû aller. Voilà, pour être simple. Ah. Ah. Riku! Blitzball! Hey, you okay? Hey! Yo. Hiya. You wanna try that move one more time? Finally. Things were starting to look up.
manager. Who you play for? The Zanarkin Abes. What team you say again? I meant, forget that. I got too close to Sin, and my head's all foggy-like. So, I don't know where this place is. Or even where I came from. Sin's toxin got to you. But you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Walker, coach and captain of the Besaid Aurox, brother. What? You hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Alors, du coup, vous avez bien vu le signe qu'ils ont fait. Comme je vous avais dit au début, c'est... I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Zanarkin was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Zanarkand came along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago, just like you said. If you ask me, Sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? But you from the Zanarkand Daves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was... everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better. Maybe. Voilà, voilà. Donc, du coup, on est arrivé à Besaid Highlands. Hey, it's this way. Ouais, je sais où que j'arrive. On rencontre du coup l'équipe de Besaid Aurox. C'est bizarre, mais leur tenue bisbonne me fait un peu penser à la mienne. Voilà, vous voyez la tenue Titus qui est des Zanarkand Apes et les Besaid Aurox sont un peu similaires. Hein? What's the big idea? Alors, je vous annonce un truc, il y a un autre chemin pour aller à l'île, c'est vraiment pour faire de l'exploration.
Et je pense que Waka veut tester notre endurance en apnée parce que du coup on passe tout le chemin pratiquement. Ah, il y a un coffre, il y a un coffre. Ah, vous êtes pour les coffres, regardez. Ça va en faire du sushi. Voilà, en plus une potion plus. Je peux pas dire. Je peux pas cracher dessus. Donc comme je disais, je pense que Waka teste notre endurance à l'eau. Bah dire, on va se taire. Ah, arrivé, je pense au village du pseudo, on va couper pour cette aujourd'hui. Comme ça, ça va montrer un rêve à Bicette, donc. Parce qu'il y a eu beaucoup de cinématiques. Et du coup, il y a assez de rock. Enfin, le chemin est assez long. Donc j'espère que je vais avoir assez pour pouvoir poster la vidéo. Let me go. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? Hmm? A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then, you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on! Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? Franchement, Waka, t'es le roi des forceurs. I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Zanarkand had in common. I wasn't too far off either. Ouais, on va bientôt pouvoir quitter. Ouais. Non, je plaisante. C'est juste que là, j'étais. This is where I was born. I started Blitz when I was 5.
I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. Ouais, je te comprends que t'es fin. On va bientôt pouvoir quitter. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say, what's our goal, you say, victory! When you play in a blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Bah oui, Waka, franchement, tu joues à un truc, ouais. Quand tu fais l'amical, quand ça compte pas, ouais, tu fais un petit match, ça va, sympa. Tu t'en moques des points. Mais quand c'est un tournoi, surtout le plus grand tournoi de toute la région, excuse-moi, mais tu gagnes, quoi. Bon, allez, du coup, on va se quitter ici. Voilà, et on va reprendre, du coup, la semaine prochaine, du coup, pour un prochain FF10. Allez, hop, je sauvegarde une dernière fois avant de quitter. Non, je vais pas comme ça. Voilà, et je vous dis à tous à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de commenter également en commentaire si vous avez des remarques à me faire ou des idées pour que je puisse bien avancer dans le jeu pour ceux qui connaissent, me donner des conseils. Par contre, je refuse bien sûr tout ce qui est insulte ou contact désobligeant, voilà, qui pourrait me rabaisser plutôt que de m'aider à avancer. Voilà, donc tout ce qui est insulte, vous pouvez oublier, hein, honnêtement. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne et également d'appuyer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous, à très bientôt. Thank you.